l'époque, c'était à Paris. Donc, il y a 47 ans, 1967, je suis allé à Paris comme étudiant du gouvernement français, bourse du gouvernement français. Et puis, je restais 30 ans à Paris. Et puis, après 30 ans à Paris, j'ai dit que je dois encore souffrir parce que Paris commence à être confortable. On a commencé à connaître un petit peu de mon nom, donc j'étais un petit peu comment ça va, comme ça veut dire. Oh là là, c'est pas ça que je suis quitté du Japon. Et puis, comme j'ai commencé à parler français, un petit peu, j'ai toujours dit pas mal français, ça n'a rien à faire. Et puis donc, je ne veux pas quitter la France, donc je suis allé loin, loin où. Cannes, Nice, Monaco, c'est pas très loin. Donc finalement, la Corse. Parce que Musée Fesch, qui m'a invité à exposer pour fêter mes 30e anniversaire de territoire en France. Et puis je restais 17 ans. Mais j'ai dit, oh, la Corse aussi, au début ils sont méfiants, ça y est, Japonais qui arrivent à Corse, il n'y a que mafia, il n'y a que ça. Et puis après, on m'a compris. Et puis, le gouvernement français qui m'a donné, malgré que j'étais en Corse, et l'an 2000, chevalier des arts de lettres, et puis 2003, du quoi, ou 4, on m'a donné Légion d'honneur. J'ai dit, ok, c'est bon, mais c'est pas ça non plus. Et puis, donc, je dois encore souffrir, comme j'ai dit, sans souffrance, on ne compare pas de souffrance à l'autre, sans ça, on peut être méchant, donc, pour être gentil, et voilà, tu dois souffrir, comme ça, on comprend. Et puis, j'ai retourné au Japon, mais pas ma ville natale, parce que ma ville natale, c'est tout le monde m'attend, ouais, ça y est, petit héros qui arrive, donc c'est pas bon. Donc, tu sais, avec Nagasaki, chute du Japon. Ça, vous saviez, c'est là-bas, comment dirais-je, Robert, tu peux m'aider. Bon, c'est-à-dire qu'il y a Christian qui était fait partie, était, comment dirais-je, était fait mal et tout, mais Vatican qui a accepté de cette... il y a 8 ans, je suis allé tout petit, il y a 400 habitants, l'âge moyen, 84 ans. Et puis, l'âge... J'ai dit, ok, je dois faire quelque chose. Et ça y est, encore, miracle est arrivé, de toute petite église qui est dans mon petit île, bien sûr, je suis la Corse au Japon, Nagasaki, et petite église est devenue, normalement, 2016, ça sera l'UNESCO du patrimoine du mondial. Donc j'ai dit, ça y est, c'est le miracle, j'étais... Et puis tout d'un coup, j'ai dit... des tout petits miracles, égalité, lourde. Donc, Monseigneur Lacrampe et les amis qui m'ont donné l'occasion d'exposer du Yémout ici. Mais déjà, je suis venu hier du Japon, et puis comme je suis allé mon atelier à Corse, et je suis venu, donc je n'ai pas dormi 48 heures. Mais j'ai compris, déjà, miracle, c'est quoi? C'est votre sourire, votre générosité. Et puis j'ai compris que finalement, comment dirais-je tout à l'heure, mon français que je ne crois pas, c'est vous qui peut-être s'occupez d'aider les gens, comment on dit, pas volontaire, bénévole. Voilà. J'ai dit ça y est, j'ai choisi des bonnes bénévoles avec peinture, être peintre pour être utile. Donc j'expose. Non seulement galerie, mais aussi de bâtiments que on dit malade. Mon malade, je n'aime pas. Mais c'est-à-dire que plus souffrir que nous. Donc, j'expose là-bas. Avec mes tableaux, tu peux être enfin utile. C'est ça, peut-être, appelé miracle. Voilà. Donc, j'ai compris. C'est ça. Pourquoi l'œuvre, c'est miracle? Parce que regardez là. Le sourire, et puis vous faites pour les autres. C'est magnifique. Donc j'ai envie d'être parmi debout.